Salut, alors bienvenue pour un nouveau tuto. Alors je vais vous montrer comment faire ça. Voilà, je trouvais ça bien sûr donc à Carrefour. Alors c'est les petits sacs machin, enfin bref. Donc je me suis dit en voyant ça, peut-être que ça pourrait faire un bon tuto. Alors du coup, je vais vous montrer comment on peut faire. Alors, pour commencer déjà, alors je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Donc du coup, je vais utiliser le flash. Donc c'est le flash Nikon SB700, d'accord, que je vais utiliser avec son petit pied. Je vais le laisser comme ça en fait, d'accord. Je vais utiliser l'appareil photo bien entendu, donc c'est le D7000 et je vais utiliser mon objectif le 50 mm en 1.8. Je vais utiliser ça aussi, un petit truc comme ça, d'accord. Alors j'en ai pas forcément besoin. Mais ça va me protéger en fait, juste une petite protection avec les éclaboussures d'eau, d'accord? Voilà. Et je vais utiliser ça, d'accord? Alors ça va se mettre comme ça, d'accord? Je vais la glisser, voilà. Je vais le mettre comme ça, d'accord? Ça va, c'est juste en fait. Parce qu'au moment où je vais prendre la photo, je vais utiliser un aquarium, d'accord. Donc je vais remplir un aquarium d'eau, d'accord. Et donc du coup, quand je vais mettre ça en face de l'aquarium, le flash là, il va refléter sur la glace. Donc du coup, ça va pas me faire une belle photo. Donc je vais utiliser ça juste pour pouvoir bloquer en fait, comme ça, d'accord. Voilà, pour pas que en fait ce flash reflète, d'accord. Voilà, c'est juste, je préfère mettre ça là-dessus que mettre ça sur le flash. Au moins, je vais pas le, il va pas avoir de poids dessus ou ni rien, juste sur cette partie-là. Voilà. Maintenant, l'autre truc qu'il faut vraiment faire attention, c'est qu'on va, il va avoir les éclaboussures d'eau, d'accord. Donc moi, ce que j'utilise et je vous conseille de faire pareil. Je vais utiliser des petits sacs plastiques comme ça, d'accord. Et je vais protéger le flash par exemple. Donc, moi je vais faire ça comme ça, d'accord. Là il va être fermé. Comme ça, l'eau, parce que l'eau électronique ça fait pas trop bon ménage. Alors vu des fois le prix que ça coûte, voilà. Mettez ça comme ça, au moins c'est protégé. C'est nickel. Voilà. L'appareil photo, je vais faire pareil parce que j'ai pas confiance. Je peux pas le mettre. Il existe des trucs spécifiques où on peut faire de la photo dehors, des gros sacs de plastique et tout. Mais bon, là on est tranquillou chez nous. Hein. Donc après c'est à vous de. Là je l'ai percé. Alors est-ce que ça va rentrer dedans? Hop. Voilà. Juste pour que l'appareil, ça sort. Je refais un autre trou ici pour sortir le flash. Tac. Voilà. Alors bon, après un sac peut-être plus grand aurait été bien, mais bon. Voilà. Là, ça n'ira pas jusqu'ici parce qu'il va avoir le pied, donc ça va faire à peu près ça. Mais comme je vais prendre les photos dans cette position, en position portrait, ça va me protéger tout le haut là. Ça va venir comme ça, d'accord. Donc du coup, je vais avoir au moins minimisé une goutte d'eau. Il peut y avoir une goutte d'eau qui va juste tomber sur le pare-soleil, mais bon, au moins on protège au maximum. Et là, je vais arriver ici, en plus, avec cette partie. Voilà. D'accord. Et moi, je vais balancer ça dessus. Hop, je vais faire des tours. Et je vais m'arranger, en fait, à ce que la lumière ne passe pas. D'accord. Donc, du coup, voilà. Donc là, on est prêt. Je vais vous montrer les réglages et puis
ensuite la disposition que j'aurai mis en place. Voilà. Alors, nous voilà pour l'installation en fait. Alors, comment ça va se préparer? Donc du coup, bon, un aquarium, tout simple, d'accord. Alors la lumière qui va taper en fait, pour moi, ça c'est le fond, d'accord. Voilà, donc ça va me servir d'avoir un beau fond blanc, voilà. La source de lumière, le flash qui va taper en fait dans l'eau et qui va éclairer le fruit qui tombe et l'eau qui va bouger. Voilà, pour prendre l'appoint, d'accord, pour mettre pour que ça soit net, d'accord, un petit pense-bête. Alors, c'est la dernière fois avec la goutte d'eau, c'était un petit crayon où c'est que l'eau allait tomber. Et ben là, on va faire à peu près la même chose, d'accord. Là, je vais utiliser un truc qui va être dans l'eau, hein, n'importe, vous auriez pu mettre, je sais pas, un marteau ou n'importe. Donc, je vais le mettre dedans, d'accord, comme ça. Voilà. C'est bon, vous voyez, nickel. Je vais faire l'appoint sous l'eau. Voilà. Et maintenant, pour se repérer le petit truc que j'utilise. Alors, on aurait pu mettre du scotch, d'accord? Mais j'en ai pas. Donc, j'ai utilisé ça. Vous savez, les petits trucs qu'on peut. Quand on met dans. Pour fermer les sacs de congélation. D'accord? Voilà. Alors, j'ai mis ça comme ça. Donc du coup, j'en mets un en face. J'espère que vous voyez que la lumière, elle est un peu trop puissante pour la caméra. J'en ai mis un ici, d'accord. Un en face, que vous, là par contre, vous ne voyez pas. D'accord, voilà. Et j'en ai mis un au bout. Comme ça me fait une croix, d'accord. Comme ça, j'ai juste à le mettre au milieu. Je sais où c'est qu'il était en milieu. Je sais où ici. Tac, je lance. Et normalement, on devrait avoir ça net. Voilà. Ça c'est fait. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Les réglages de l'appareil photo. Alors. Du coup, bah, je me mets en manuel. Hein, d'accord. Là, comme je veux figer et que j'utilise le flash, je vais pouvoir utiliser une vitesse de 200 ou au maximum 250. D'accord. Donc ça va me permettre de figer l'action. Ensuite, j'ai mis F11 pour avoir une belle profondeur de champ. Donc je commence à 100 ISO. Si je vois que à F11, mon fond, comment dire, n'est pas assez blanc, mais en même temps, mon fruit, j'ai pas assez de profondeur de champ, ben je vais monter mon F un peu plus, à F16 et pourquoi pas à F22 ou n'importe. Et donc du coup, pour récupérer mon fond blanc de la lumière, et eh ben je vais monter en fait mon ISO, d'accord? Et ici, bon bah je suis toujours avec comment dire l'option de télécommande. Alors pour la puissance du flash, moi pour le flash intégré, d'accord? Alors je laisse à 1 sur 128. De toute façon, c'est pas la peine qu'il éclaire celui-là. Je le protège. Vous savez, c'est le flash intégré, c'est celui-là qui est sur l'appareil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le groupe A. Donc, je laisse en TTL. Et je vais mettre une puissance. Là, c'est marqué moins 2. Et ben, je vais monter à 0. D'accord? Et après, c'est parti. On va faire de la photo.